Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau épisode. Donc là j'essaye de regarder pour voir si ça ne bug pas parce que hop, tous les mouvements sont fluides, ça va, à peu près fluide. Donc ça va. Donc je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des séries en cours, arrêtées et à venir. Donc d'abord on a la première série arrêté, donc la seule unique série arrêtée. Donc j'ai fait du Pokémon Y et puis bon, j'étais pas en phase avec le personnage féminin, il y avait beaucoup de travail et bon, c'est pas la série que le plus de monde regarde. Du coup je l'ai mis en suspens. Ben, je pense que je vais recommencer je sais pas, en attendant une autre série ou autre. Donc pour l'instant elle est arrêtée, cette série. Ensuite, les séries que j'ai actuellement en cours, c'est Fire Emblem, Héritage, Conquête et Révélation. Donc j'ai 15 vidéos pour Conquête, 14 pour Révélation et 8 pour 14 pour Héritage et 8 pour Révélation. Donc ce qui en fait en tout un total de 37 vidéos sur Fire Emblem. Donc c'est pas mal. 37 vidéos. 37 épisodes dont vous suivez, enfin certaines personnes suivent le Fire Emblem. Puis après j'ai une autre série, donc c'est Dragon Quest. Là je suis en train de monter le 9e épisode, donc cette vidéo arrivera avant que l'épisode 9 soit sur la chaîne, on va dire ça. Après Dragon Quest, il y a moins de monde que Fire Emblem qui regarde. Mais Dragon Quest c'est un de mes jeux préférés sur la DS, donc je vais essayer de le finir avant les prochaines séries qui arrivent. Donc ici je vais avoir deux semaines, enfin je vais essayer de faire le plus de vidéos possible parce que dans 2 semaines je vais avoir une nouvelle série. Donc la dernière série en cours, donc c'est une série que je vais jamais arrêter vu que c'est l'achat hebdo manga, que ça vous plaît beaucoup. Et puis que bah, je vais toujours en acheter, du coup j'arrêterai pas cette série. Alors les séries à venir, c'est tout simplement Dragon Quest 7 sur la 3DS, donc c'est le remake du jeu sur la PS1 qui n'est sorti uniquement qu'au Japon. Donc je pense que ce jeu est sorti il y a à peu près 2 ans au Japon sur la 3DS, le remake il est sorti d'à peu près 2 ans. À moins que ce soit un autre Dragon Quest, mais bon, on n'a pas tous les Dragon Quest qui sortent au Japon. Donc il sort dans 2 semaines à peu près. Ce que je vais essayer de faire, d'avancer le plus possible dans mes séries, comme je viens de vous dire juste avant. Donc avancer le plus possible dans le Fire Emblem et dans le Dragon Quest. Et ensuite, dans 2 gros mois, il va y avoir du Pokémon Soleil et Lune. Donc le jour de la sortie. Je ne sais pas si ce sera Soleil ou Lune, mais avant de pouvoir faire cette nouvelle série, il va falloir que je finisse une des 3 séries, donc Fire Emblem ou Dragon Quest 7, je pense pas que je le finisse en 2 semaines. Ou peut-être, on ne sait jamais si le jeu est court. Donc voilà, ça c'est les séries à venir. J'espère vraiment que ces séries vont vous plaire, parce que moi c'est mon type de jeu, donc... Je ferai que des let's play sur les RPG, donc le Pokémon est un RPG, Dragon Quest est un RPG et Fire Emblem aussi. Bon, on va éviter du Final Fantasy parce que celui sur la 3DS je l'ai pas beaucoup aimé, du coup j'ai pas fait de let's play dessus. Peut-être qu'il y aura un Fantasy Life entre les pauses, entre les sorties des jeux que j'achète et que je fais des let's play. Et aussi, si j'arrive à faire fonctionner la lecture à distance sur l'ordinateur de la PS4, je ferai un let's play sur l'attaque des titans sur la PS4. Donc si quelqu'un sait comment me faire fonctionner la lecture à distance, vu que moi je crois que j'ai une erreur, le contrat n'est plus à jour, je crois que c'est ça, je crois que j'ai téléchargé une mauvaise version. Pourtant, je suis allée sur le site PlayStation de chez Sony, du coup il doit être à jour. Et ben non, ben voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, voici à peu près où en est ma chaîne.
pour l'instant. Je vous remercie d'être si nombreux à me regarder. Donc pour moi, 86 abonnés, c'est énorme. Du coup, voilà. J'ai hâte d'avoir les 100 abonnés, mais bon, je sais que ce ne sera pas pour tout de suite. Ou peut-être, ça dépend, hein, les abonnés, ça vient. Enfin, ça, si ça me remarque. Enfin, comment dire, si ça me remarque, si des gens parlent autour et qu'ils me disent de venir voir, enfin, ils leur disent de venir voir les vidéos, et puis voilà, ça fait augmenter plus rapidement. Mais moi, je ne vous oblige à rien. Si vous aimez, ben, vous pouvez. Mettre un j'aime, vous abonner, suivre mes vidéos, vous n'êtes pas obligé d'en parler autour de vous, ben, même si ça me ferait plaisir pour avoir un petit peu plus de public et de gens avec qui convertir. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur YouTube pour pouvoir jouer avec vous les abonnés lors de vidéos spéciales aussi. On aura peut-être des vidéos de combat sur Pokémon Soleil et Lune entre abonnés. Après, je sais pas, il y aura des autres vidéos entre abonnés, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, pour l'instant, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine dans un Dragon Quest épisode 9.